Allez, chers auditeurs, on commence cette belle émission puisque c'est Souki qui est avec moi. Bonjour Souki. Comment tu vas ? Ça va Fabienne, très bien et toi ? Ça va très très bien, merci, merci. Alors tu es ici puisque tu vas, eh bien on va parler de bon son, évidemment. Évidemment, ouais. Voilà, tu nous sors du lourd ici avec ce single Barcelona. C'est ton tout premier single, donc voilà, moi je suis contente en tout cas, eh bien que c'est un peu, voilà, c'est un cadeau pour Arabelle. Bah, c'est gentil. C'est un cadeau. Alors Souki, déjà encore une fois, merci, t'es avec nous ici pour cette sortie du bon son. On va l'écouter après, on en parlera justement. Mais tout d'abord, eh bien, moi j'aimerais un petit peu mieux te faire connaître à nos auditeurs qui te découvrent en même temps que moi, hein, il faut le dire ici. Comment Souki, tu as démarré dans la musique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu chez toi, au berceau, comme on dit, toute petite ? Comment la musique arrive dans ta vie ? Depuis que j'ai 4 ans, bah, j'ai toujours baigné dans la musique, j'ai c'est toujours précis, chanté. Hein. Ouais, depuis l'âge de 4 ans, parce que j'ai des images en tête, en train de chanter, en train de danser. J'ai toujours participé à des comédies musicales. Mm-hmm. Mes parents m'avaient inscrit dans pas mal de centres où je faisais des shows avec mes amis. Ils avaient repéré la Souki Star. Toujours une petite fibre où je chantais, où je dansais. Et voilà, et j'ai toujours gardé ça en moi, en fait. Et puis, j'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans. Ah ouais, musicienne en plus. Ouais, j'ai eu la chance de faire de la guitare. J'ai suivi des cours pendant 3 mois intensifs, ce qui n'est pas énorme. Et puis après, bah, j'ai fait toute seule. D'accord, toute autodidacte. Seule. Voilà. Et c'est ça qui est beau. Quand on s'appelle Souki, qu'on a 4 ans, on chante quoi ? Ouh. Tu m'as dit, j'ai des images en tête. J'étais dans la voiture, on allait à la ferme avec mes parents et puis on écoutait, je crois, Desert Rose. Ce qui donne, parce que là je l'ai pas en tête, ça donne quoi? Ouh, un petit peu? Non, c'est des vibes un peu orientales comme ça, je peux pas faire ça comme ça. Quel dommage. Bah, tu reviendras pour ça. On fait ça. Ok, d'accord. Chiche, moi je le dis. Hein. Alors, tu es d'origine belgo-marocaine, tu es née à Casablanca. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver un petit peu ces notes culturelles dans ta musique, ouais, justement? Comment est-ce qu'elle arrive, justement, cette culture, ouais, dans ton art? Alors, pour l'instant, elle y est pas, parce que pour l'instant, je suis en train de me présenter. Entre guillemets, en tant que musicienne et en tant qu'artiste. Donc il faut montrer un petit peu notre voix. Mais il y a un album qui est en cours de préparation. Je ne sais pas donner une date tout de suite. Attention, voilà, ça sera probablement un album. Et ça, c'est vraiment moi. Il y a beaucoup de... Avec des petits clins d'œil à ta culture, voilà, justement. Et c'est ça qui est beau ici. Quand on se lance dans un projet comme ça, parce que là, on est quand même sur un premier single qui débarque. Donc ça, c'est beau. Comment on s'entoure ? Est-ce que je suppose que tu es bien entouré, qui sont un petit peu derrière tes prods ? Parce que t'en parles que tu es autodidacte, que tu es musicienne, etc. Mais je suppose qu'il y a quand même une grosse équipe derrière. Il y a quand même une grosse équipe. Alors, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. J'ai commencé mon premier single, c'était avec une équipe au Maroc. Up Production, d'ailleurs, je les salue. Je les embrasse très fort. Ils m'ont soutenue pour tout ce qui était visuel. Donc le clip, c'est eux qui m'ont soutenue pour ça. Après tout le côté musical, il y a un studio avec lequel j'ai travaillé ici, le Danish Studio. Qu'on salue également. Que je salue également. Et voilà, j'étais bien entourée, j'avais des amis qui m'avaient soutenue à ce moment-là. Et puis après, quand j'ai démarré, tout est allé vite. J'ai pu travailler avec beaucoup d'équipes qui sont à Nice. D'ailleurs, je salue le studio de Pierre, le 52 Hertz, et le studio ici, la 36e chambre, Bruno. Et Sam Cruz qui est au piano. C'est une très grosse équipe, ça. Hein, qui est à l'île de la Réunion, donc franchement, et Edouard aussi qui est à Paris. Bon, bref, il y a beaucoup de gens. Souki, franchement, je vais te couper, je suis désolée, je vais te couper, mais là, avec tout ce que tu m'annonces, nous, on a envie de faire écouter le son à nos auditeurs. Voilà, donc moi, je te propose, on fait écouter ce son et puis on en parle juste après. C'est Barcelona, Souki pour Arabelle. Souki sur Arabelle avec ce titre Barcelona. Alors moi, j'ai une première question qui vient ici. C'est toi qui fais les bacs dans la chanson ? Il y a moi et il y a un autre artiste qui s'appelle Sikifrid. D'accord. Qui avait fait les bacs à la fin et qui a du talent aussi. J'ai l'impression que dans les couplets, on est vraiment sur une voix hyper mature, comme ça, une voix voilà, avec beaucoup plus de grave. Et puis on arrive comme ça dans un refrain où on a une voix beaucoup plus fluette, beaucoup plus... Ouais, beaucoup d'émotions. C'est une chanson que j'ai écrite pour la fin de mes études. Donc d'accord. C'est une chanson qui parle... De nostalgie un petit peu aussi. Ouais, je l'écris dans le train, cette chanson. D'accord. Pendant entre où et où ? Parce que ça, c'est bon, à savoir Bruxelles ça. Entre Bruxelles et Tournai. C'est moins sexy, voilà, tout de suite. Voilà, et pour Barcelona, voilà, entre Bruxelles et Tournai. Bah, tu vois, voilà. comme quoi, il y a chaque fois des petites choses qui et se voilà, cachent. Pas. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un big up à tous les médecins
qui m'entourent. Parce qu'on peut le dire, en fait, tu fais un très, très beau métier, à part être chanteuse, et on te souhaite un succès, une carrière mondiale, hein, Souki, vraiment, ici. Mais tu es infirmière, en fait. Non, je suis médecin. Bon, là, 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 la pourpe. Qui m'a donné cette info, là? Qui m'a donné cette info? Mais c'est magnifique. Comment on arrive à combiner les deux, là? Mais franchement, c'était compliqué parce que pendant mes études, bon, je chantais, j'ai toujours écouté de la musique, ça fait partie intégrante de moi, mais j'ai pas pu partager ça avec, avec le monde, on va dire ça comme ça. D'accord. Parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Ça demande du temps, ouais, surtout. Et donc, ouais. Donc mon projet, c'était de terminer mes études et une fois ma spécialisation commencée, là, de pouvoir... Share with the world. Waouh! Oh là 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 là! Et je vous dis, le vendredi, si Sora Rabat, c'est toujours merveilleux. Comment, je disais justement, comment est-ce qu'on arrive à combiner ça? Mais surtout, est-ce que pour toi, parce que c'est un métier qui est quand même très difficile, hein, on connaît le, le genre d'études aussi qu'il faut pour être médecin, voilà, est-ce que c'est un peu pour toi comme une thérapie, la musique? C'est un peu une porte de sortie pour justement te libérer de certaines choses, te faire du bien? Je dirais pas une thérapie, c'est peut-être une forme de thérapie, mais c'est tellement vital pour moi. Enfin, y a certaines personnes qui écoutent juste de la musique comme ça, mais c'est vrai que moi maintenant quand j'écris mes textes, c'est vraiment, je partage mes émotions, c'est compliqué de faire ça, parce qu'on s'ouvre au monde, mais j'y arrive de mieux en mieux et je pense que... Vous en saurez un peu plus bientôt. Avec grand plaisir. Moi, j'attends que ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur tous les réseaux? Alors, sur, Le clip aussi, on peut le voir. Le clip sur YouTube. Donc, sur YouTube, si vous mettez Souki Music Hall, ça sort directement. Sur Instagram, c'est Souki Music. Ma page Facebook, c'est Souki Music. Et sur TikTok, c'est It's Souki, donc I-T-S-S-O-U-K-I. Et Souki, voilà. On va aller te follow, mais tu feras pareil sur Arabelle, parce que ouais, nous, on met des super TikTok là pour l'instant, on a des belles publies Insta, on compte sur toi. En tout cas, une petite question ici, parce que évidemment, moi, c'est quelque chose, j'aime bien savoir ça. Pourquoi Souki? Souki, parce que c'est mon diminutif dans la vie de tous les jours et je voulais tout simplement rester authentique. On m'appelle Souki, donc voilà. Ah ben c'est magnifique. Voilà, on a parlé de tes réseaux. Tu nous as dit qu'il y a peut-être un album qui allait, qui allait découler évidemment de ce beau projet qui débarque, qui démarre. Clairement, un album, un premier single, Barcelona ici, qu'on peut déjà peut-être aller télécharger sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Spotify, voilà. Partout. Et il y a I Was Here aussi que j'ai fait après. Mais c'est pas une chanson que j'ai écrite, c'est une reprise de Beyoncé, donc c'est culotté. Mais c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi. C'est donc bien, c'est bien de démarrer comme ça sur les chapeaux de roue, comme on dit, c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Donc ça, c'est très très bon. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Une scène, bientôt peut-être, on te peut-être le souhaite. Peut-être des concerts, c'est pas tout de suite, parce que ça demande aussi beaucoup de temps. Ouais, petite mais première partie. Un album, peut-être. Mais ça, je sais pas dire ça maintenant, ça dépend... C'est une autre performance aussi, hein, d'être en studio, d'enregistrer, de faire vraiment son truc dans sa bulle, entouré, on va dire, de cette belle équipe qui te suit, et puis de s'exposer sur une scène, c'est un autre travail aussi. Mais c'est beau, c'est vraiment beau, surtout quand on a une belle équipe, c'est du partage, c'est du bonheur. Quand on travaille, on travaille pas vraiment en fait, on s'amuse. C'est de la passion. C'est ça. C'est de la passion. Voilà. Et une spéciale dédicace au coach Louki, parce que lui aussi il me soutient beaucoup dans la musique. Et ben fait, nous aussi, sur Arabelle, une belle dédicace ici. En tout cas, bien merci Souki d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un petit message, justement, par rapport à ton art, par rapport au message que tu fais passer dans tes musiques, pour nous, pour les auditeurs d'Arabelle? Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut croire en soi, parce que peu importe les objectifs qu'on se fixe, si on a vraiment envie d'y arriver, on peut y arriver. J'ai fait médecine, c'est dur, mais toutes les études sont difficiles. Et là, je suis en train de faire ce dont j'ai toujours rêvé, faire de la musique. Donc je pense, j'aimerais encourager les jeunes à se dire qu'il y a moyen de lier ses passions et ses études et que voilà, juste amusez-vous, kiffez la vie, on n'en a qu'une quoi. Et ça c'est un très très beau message, surtout pour cette période qui reprend ce printemps, qui arrive aussi à Bruxelles, tous les beaux événements qui débarquent aussi enfin de retour dans notre belle capitale et puis toutes ces artistes merveilleux qu'on reçoit sur Arabelle. Souki, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et tu m'as fait une promesse, tu reviens dans les studios de l'Arabelle, tu nous fais cette petite musique. Avec plaisir. Allez, c'est magnifique. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.